prochain course pour élection aux États-Unis, on connaît que Joe Biden, c'est lui-même qui t'a censé pigou qui est un adversaire direct, en fait adversaire direct Donald Trump qui parle en face Donald Trump. Et bien nous connaît Donald Trump lui-même non t'es déjà cité non causé et fait enquête avec la Russie sous adversaire lui avant qui était Hillary Clinton. Et bien en plus monde t'ai pensé que t'a pas récidivé et c'est ça fait t'a suivi monsieur quand on l'aide sous du feu t'a suivi action lui. Eh bien, en juillet dernier, Donald Trump a parlé avec le président ukrainien, Monsieur Zelensky, et Monsieur était bloqué, Monsieur était gelé en aide de $400 millions que le débat Ukraine. Ça, c'était en juillet dernier. Eh bien, le 9 septembre qui s'est passé à là, gagné en source qui révélé. Qu'on breach dans sécurité Maison Blanche là et qu'on bail grave qui passait et enquête est commencé à faire. Nous connaissons que c'est gros pays, enquête commencé à faire et puis ben, finalement il a fini par voir que c'est comme si son appel que c'est appel ça justement que Monsieur Trump, président Trump, t'a fait avec Monsieur Zelensky. Et c'est lui-même qui était levé en drapeau, en red flag, j'ai envie de dire, aux États-Unis. Hein. Eh bien, le 9, ça a dépassé le 9. Le 12 septembre, en fait, Mouna dit que Gombaga grave qui passait le 9, en source. Qui pas trévé les têtes, qui dit que Gomba qui était passé, qui passait la Maison Blanche, qui pas Kodjom, qui passait le 9. Et puis le 12, ça qui passait, c'est que ouais, fond que Monsieur Trump était gelé pour Ukraine, ouais, que fond carrément Trump pour aucune raison, Monsieur débloqué fond. Le ouais, Monsieur débloqué fond, il dit un. Gelegon bagay qui fait que monsieur couri débloquer fonds. Est-ce que son information le pas vaisseau dehors qui ka compromettre li? Eh bien nous connaissons gros pays toujours j'aime dire nous hein? Enquête t'es commencé à mener mais jodi an là Donald Trump il était autorisé enquêteur yo joine conversation ça que il t'a gagné avec monsieur Zelensky qui c'est président Ukraine. Et mais qui s'est passé, nous connaissons que petit Joe Biden monsieur t'est passé 4 ans depuis de 2015 jusqu'à 2019, monsieur t'est passé 4 ans à superviser opération en compagnie gaz naturel en Ukraine et compagnie ça et aussi un gros scandale corruption. C'est pas compagnie ça seulement mais tout ça qui regarde Ukraine son pays qui a fait face à un pile problème de corruption. Et bien Hunter Biden qui c'est petit Joe Biden qui c'est adversaire direct de Trump. Et bien Hunter Biden mais monsieur t'assemblé compagnie ça que l'il était gagné en droit de regard sur lui. Et mais compagnie ça lui vraiment plongé dans scandale corruption. Et mais nous connaissons Trump profiter lui dit lui mandé président Zelensky faire une enquête sous Hunter Biden pour le connaître si monsieur trempé dans corruption. Donc son façon pour discréditer Joe Biden qui c'est nous connaît qui c'est adversaire, c'est parce que même bagalité s'est fait avec ou bien t'est fait avec Hillary Clinton, elle t'est fait sortir dossier sur Haïti etc. Nous t'ai songé dossier ça a été même répété dans campagne là, nous t'ai songé monsieur t'est à visiter Haïti Miami pour t'ai faire une série de bail au sortir. Donc c'est toujours tactique monsieur hein. Eh bien, même Joe Biden tout, Joe Biden qui était pendant qu'il était vice-président, eh bien, il était un
un peu impliqué dans faire pression pour gagner des changements dans tête compagnie ça et puis dans tête d'autres compagnies tout en Ukraine en dans tête d'autres organisations en Ukraine et même et président Trump gagne les assemblées alors t'assemblée selon ça il dit qui que il a révélé dans conversation avec monsieur Zelensky t'assemblée que président Trump t'est même mandé pour enquêter sur Joe Biden tout le monsieur t est vice-président. Joe Biden t'a déjà parlé de ça. Monsieur t'a dit que les partons n'ont rien de action petitely Hunter Biden dans en Ukraine et donc tout ça que petitely t'a fait l'autre bois ben ça pas regarder les partons qu'on est et les partons qu'on est tout si compagnie ça que Hunter Biden t'a supervisé hein, son sorte de consultant que monsieur était dans compagnie ça, il pas de connait que compagnie ça était impliqué aussi loin dans des scandales de corruption. Et ben ça qui passe gros coup de théâtre aujourd'hui, hein, ça vient à peu près 4 heures. Parce que Nancy Pelosi qui c'est House Speaker. Donc c'est porte-parole Chambre des représentants pour démocrates, mais il a annoncé que il pourrait engager une procédure formelle pour le destituer président Trump. Mes amis, gros nouvelle tombée et nouvelle tête chargée là. Donc démocratio poil entrer dans un processus de destitution là, mais n'a pas le temps de officiellement rapidement pour des questions de copyright, n'a pas le temps de très rapidement et n'a pas essayé de commenter tout pour monde qui pas comprendre. The actions taken to date by the president have seriously violated the Constitution, especially when the president says... Sa constitution fait jeudi a volé la constitution, spécialement les présidents dit, moi qu'a fait sambler. Donc c'est pour ça que nous pouvons demander une destitution officielle. Donc demande de destitution, nous pouvons proposer. Personne pas au-dessus de la loi et président Trump t'a supposé comme ça. Donc en résumé, c'est ça il dit que action président vraiment violé constitution, il l'a demandé pour faire enquête sous petit on adversaire lui. Donc il violé les lois démocrates, il violé les lois constitutionnelles, il violé autre légalité prend. Donc l'elle était jurée sous constitution, les violer tout ça. Donc c'est peut-être ça nous-mêmes nous pourrons lancer une procédure de destitution contre président Trump. Président Trump t'a supposé qu'on est que les pas au-dessus de la loi. Donc c'est Nancy Pelosi qui t'a demandé ça et qui t'a parlé de ça. Il dit président pas au-dessus de la loi. Donc c'est ça fait que officiellement les pourra demander destitution président Trump pour causer ça. Est-ce que c'est on sait de prier haïtien qui commence à monter qui fait bagarre serveur privé, nous pas le connaît. Est-ce que son série de gros lois qui travaillent en Haïti, est-ce que son série de gros mambo qui travaillent, nous pas connaît. En tout cas président Trump dans gros show là, mais m'a pas dit nous évidemment adversaire Trump sur Twitter, il a commencé, il a créé, il est en créé un Twitter qui est impeach Trump et puis il a commencé à dire bon c'est toujours il a répété parole Nancy Pelosi qui dit au président doit rendre compte de action, personne pas au-dessus de la loi. Donc c'est ça fait que il a pas lancé un procédure de destitution, mais nous connaissons que la très difficile pour ça, mais parce que fort républicain t'a voté tout pour destitution t'a capacité et nous connaissons que républicain yo en majorité dans chambre donc il est vraiment difficile pour ça arriver. Donc n'a regardé le journal de Montréal là d'abord un résumé de ça qui passé. Donc m'a reprendre pour nous encore 9 septembre là gain inspecteur général service de renseignement qui informé Congrès que gon situation qui m'a urgence qui mandé attention tout le monde, mais il pas révélé qui situation li.
administration Trump a refusé et transmettre par le parlement qui contenu de situation ça. Alors, il y a plusieurs médias qui font enquête et puis ouais que j'en te dis nous que Volodymyr Zelensky qui est président ukrainien, il était en conversation très houleuse avec Donald Trump 25 juillet et Donald Trump était bloqué fonds $400 million d'aide militaire qu'elle était bail à l'Ukraine. Mais l'information sortie, le inspecteur général service renseignement la gain information 9 septembre non, 3 jours après le 12 Donald Trump débloqué fonds que le bloqué depuis 25 juillet il débloqué et c'est ça qui fait que tout le monde devine suspect. Il dit ah, si monsieur a débloqué fonds et il n'y a pas bah, raison qui fait pour débloquer fonds et ça fait pousser enquête là plus loin et puis mais je joigne que mais je dis à Donald Trump il avoué que il était bandé pour font enquête sous Hunter Biden, j'aime te dire nous qui était siégé dans le conseil d'administration, conseil de surveillance producteur de gaz en Ukraine de 2014 à 2019, Hunter Biden qui c'est petit Joe Biden. Donc yo estimé, nous connaissons que les États-Unis sont gros pays liés, yo estimé que monsieur utilisait service à des fins personnelles que il pas gain droit et monsieur violé toute article dans la constitution qui dit que il pas gain droit utiliser l'état pour bien personnel et pour service personnel il pas gain droit en quitter faut suivre loi électorale yo il pas gain droit mandé un adversaire faire enquête sur en fait un autre président un autre pays faire enquête sur un adversaire politique li, pour lui dans le simple but pour gagner élection. Donc président Trump nan show là, président Trump nan show, est-ce que c'est haïtien, est-ce que c'est prière haïtien qui monte comme ça et puis grâce la commence descendre, nous pas connaît. Mais j'aime dire noir, nous gagne droit regarder sur Twitter vraiment gagne plusieurs comptes Twitter qui créé gagne qui les impeach Trump gagne qui les impeach dit MF nous comme ça MF l'avait dit nous avait dit online vraiment gagne Pelosi tout ça c'est eux même qui en tendance kounyan c'est vraiment président Trump t'apparaît dans problème. Mais président Trump lui-même ils font tweet après-midi à ça que à peu près 3 heures là il dit secrétaire d'état Pompeo a recevoir permission de gouvernement ukrainien pour yo laguer toute par conversation téléphonique que m'était gagné avec président yo pas ouais qui problème qui big deal qui gagne là. Donc son l'autre chasse aux sorcières qu'a fait par démocratio en rien sérieux en rien de plus nous connaissons président Trump lui-même n'est pas jamais marché mon là et puis n'a regardé qui ça deux trois monde répondre gain Matthew Dishow qui dit so refreshing to have a leader who fights for America thanks president Trump nous connaissons et supporter Trump pas manqué donc et chaque tweet vraiment gain 113 tweet avec donc on est depuis c'est dans notre Trump son sujet sensible et monsieur même là monsieur dit que démocrate pas le payer ça va faire si vous pensez vous pas gagner comme ça et ben c'est ça qu'a parlé là est-ce que dans notre Trump il pas destituer monsieur nous connaissons une question de destitution Jovenel Moïse est-ce que dans notre on pas subir même sort là n'a suivre pour vous et n'a suivre toute évolution situation mais c'est pas une situation qui facile c'est vraiment c'est une situation qui difficile et peut-être dans notre on a besoin pour ça t'arriver
Donald Trump a besoin que qu'on parti dans le Sénat républicain qui t'a baldo. Mais ça qui pas arrivé, il pas impossible pour arriver parce que gain pile démocrate qui commençait bouquer avec façon de faire monsieur et nous comme ça gain pile démocrate qui dit que monsieur son disgrace pour grand pile républicain pardon qui dit que monsieur pas fait honneur parti à Jean Lapagi et puis question que monsieur a collaborer avec la Russie comme ça nous connaît grand pile américain qui vraiment des bons patriotes surtout dans camp républicain hein. Yo pas remet dans ces coller ça avec la Russie dans dossier Clinton non. Et puis qu'on y a là Ukraine tout et nous connaît grand pile non moins qui était voté pour monsieur qui bat monsieur d'eau tout simplement parce que yo t'ai découvert que dans tout hôtel que monsieur gagne yo majorité hôtel yo et puis majorité golf course que monsieur gagne yo cours de golf que monsieur gagne yo majorité bagage ça aussi c'est des bagages chinois que yo gagne made in China donc yo dit que pendant que monsieur a dit que ils sont vrais nationalistes que la promoter industrie américaine etc et puis la parler la Chine mal mais dans hôtel li dans resort sport yo dans toute bagage ça c'est majorité bagage c'est made in China mais l'aime dit nous majorité ya, vraiment majorité bagage c'est made in China ou ka compter sous droit bagage qui fait aux États-Unis et ben en pile monde après leur révélation sorti en pile nan sympathisant monsieur te baldo qui te dit monsieur c'est juste un profiteur que lié la profiter de vote non et puis gan pile moun qui pose cette question qui dit que monsieur toujours dit la voyant pile moun aller et puis à chaque fois toujours pour renouveler parole et TPS moun yo ba ça donc monsieur vraiment c'est juste politique la fait monsieur pas vinn là pour américain un ben n'ap suivre évolution situation pour nous mais j'aime dire nous c'est pas une situation qui facile pour Donald Trump.